Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo découverte de Hyper Brawl Tournament. Alors ce type de jeu, j'ai en effet des vidéos sur d'autres un peu du même style. Il n'y a pas longtemps, je ne sais plus comment il s'appelait, c'était Smash Ball. J'ai fait sur Smash Ball. Il y a Disc Jam aussi que j'aime beaucoup. Enfin voilà, c'est des petits 1v1, 2v2. En mode un peu Rocket League, si vous connaissez. Oui, j'accepte. Il faut lire les petits trucs, hein. J'ai lu les petits trucs. Donc là, c'est un genre de handball, hein, on va dire. Un genre de speedball, Welcome, pour ceux qui ont Challenger. connu. For thousands of years, we have been searching across space and time for competitors like you. Alors, je baisse un We petit are peu le the son. Ancient protectors of the universe and have Oh, created c'est en this français tournament encore. to find the best of the Magnifique. best. Here, you will compete against the universe's greatest heroes Alors, in le problème de built to Smash Ball, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de monde sur les serveurs. Il y avait des resets systématiques de l'expérience, ça m'a saoulé. J'espère que là, pour Hyper Brawl, il y a un peu plus de monde. C'est dommage parce que Smash Ball, le jeu était quand même bien fini. Alors, mais celui-là, il a l'air quand même un petit peu un cran au-dessus. On va voir ça. Bon, j'ai branché la manette. J'espère que ça se joue à la manette. On va voir ça. Ah bah oui, je suis bête. Il y a le A. Donc forcément, c'est à la manette. Mais il est beau, hein? Ah, n'empêche, hein, il me fait penser. C'est rigolo, hein, mais l'aspect, l'atmosphère, ça me fait penser un peu à un jeu dont j'ai oublié le nom. Mince, j'ai complètement oublié le nom. C'est pas grave. Alors, marquez plusieurs fois pour continuer. Je ne sers à rien. Right trigger pour tirer et viser hyper courbe. Ouais. Alors je vise pas les cages hein, pour l'instant. Ouh, j'ai vu quelque chose qui me plaît pas beaucoup. Ouais. C'est pas très beau ça, la fumée qui s'arrête en mode 2D sur de la 3D. C'est hyper dégueulasse. Regardez quand la balle explose, la base de l'explosion, c'est hyper droit. J'espère qu'ils changeront ça. Parce que là, c'est une bêta, hein, il me semble. Allez, on va marquer des buts. Ah ouais. On va tirer tout droit. Hein. Je dis ça et je veux marquer contre mur. Non, j'y arrive pas là. Pas encore assez fort. Pour l'instant, on va faire au plus simple. Hein. Alors, exercice 2 sur 6. Le travail d'équipe est indispensable pour vaincre vos adversaires. Une passe à votre équipier peut modifier les zones d'attaque. Ok. Alors, ouais, manuel. C'est mieux en manuel. Alors, Y pour faire des passes. Et pour changer de joueur, c'est quelle touche? Ben, c'est la touche X. Ok. Alors, passe. Hop. Ouais, le prochain coup, je pense que je vais passer en automatique hein, pour le changement de joueur. Est-ce que le changement de joueur en manuel... C'est moyen.
Ah, c'est bon là, j'ai marqué là. Ah, j'ai pas fait de passe. Ouais. Alors, hop, on va faire des passes. Il y a moyen de revenir en arrière? Voilà. Hop. Automatique, je préfère. Hein. C'est beaucoup mieux. Oui, je vais te faire une passe. Et c'est quand que c'est terminé? Il y a pas de limite. Hein. C'est juste que. Ah voilà, tirer. Ok. Ah ouais, faut passer plein de fois en fait. D'accord. Ah, il veut pas, hein? Mais c'est quoi la règle là? Je les ai faites les passes. Ah, pour choper les poteaux, je suis bon, hein. Bon, il a l'air moins fun quand même que. Après, c'est le tuto, hein. On va voir, mais il a l'air quand même un peu moins fun que Smash Ball. Alors, les passes du combat. D'accord. Ah, les chiens. Non mais oh. On peut mettre KO. Ok. Bon ben, c'est pour moi, hein. Ah, il y a les coups de pied aussi. J'ai failli me mettre un but quand même. Je veux pas dire, mais. Ah, la saleté. Reviens ici, toi. Oh, que boulet. Ça compte pas, hein. Je me suis pas mis un but, hein. Teamwork is essential to defeat. Choose how you prefer to switch character. Pourquoi je suis revenu sur passé tir? Et ils veulent vraiment que je le fasse, ce passé tir, hein. Ah, d'accord. J'ai compris. Faites une passe à votre. Passez la balle à votre équipier. Passez-vous. Placez-vous dans une zone. Je vais y arriver. Une zone lumineuse pour recevoir la balle. Et marquer. Franchement, elle est où la zone lumineuse? Ça m'a fatigué ça. Alors, les armes. Utilisez votre arme pour mettre les ennemis KO. Oh la vache. Il y a des ultis. J'ai même pas marqué le point parce que j'ai pas tiré. Ah, mais sérieux. En fait, il n'y a pas beaucoup de possibilités dans les directions pour mettre des buts, je vais y arriver. Et à mon avis, il faut beaucoup jouer sur les murs. Allez, dégage.
Hop. Oula. Merde. C'est bon. Alors, continuez. Bien sûr, on revient à celui que j'ai pas voulu faire. Il nous reste quoi? Hyper force et hyper courbe. Plus vous encaissez de dégâts, plus votre hyper force augmentera. Ouais, classique. En libérant votre hyper force, vous deviendrez temporairement plus rapide, plus fort, etc. Ah oui, c'est pas qu'un peu, hein. Ça n'a pas fait semblant, en fait. Hein. Yeah. Hop. Bon, ce fut expéditif quand on commence à comprendre. Et le dernier didacticiel, hyper courbe. Alors celui-là, j'ai bien compris ce qu'il fallait faire. Oula. Alors attendez, après avoir lancé la balle, hyper courbée là pour lui faire traverser les cibles. Ouais, ok. Et lui, non, il me met un but, sérieux? Oui, mais ça suffit, hein. Ben, c'est bon là. Dans ta gueule. Ah, merde. Ah, j'allais dire comment il va maintenant qu'il est KO, comment il va me faire passer la balle. Bon, ok, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Allez. Tournament. Ah oui. J'étais sorti du menu. Félicitations. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les épreuves, commencer le didacticiel, ça c'est fait. Épreuve avancée? Comment ça? Il y a des épreuves avancées aussi? 7 épreuves avancées, oh purée. Bon, on va faire une ou deux, on va arrêter là, on a vu à peu près. Alors, les attaques qui par force se mettront immédiatement, oui ça on l'a vu. Pistolet grappin. Mettez vos adversaires. Ok, ça je sais faire. 1 contre 2. D'accord. Ouais, c'est... Ah. J'ai loupé ce que je voulais faire. Non, mais je n'arrive pas à marquer un but. Ça suffit, hein. Voilà, il est KO. Oh, ouais, le jeu est un peu rigide, quand même. Hein. Le jeu est un peu rigide. Hein. Je vous cache pas que... J'ai pris plus de plaisir sur les premières minutes... sur les premières minutes sur les autres jeux. Ouais. Bon, bah on va en rester là pour Hyper Brawl Tournament. Je suis un peu déçu quand même. On va quand même essayer une dernière chose. On va essayer le multi. On va voir au bout de combien de temps les parties se lancent. Il est 22h30 en France quand je fais ce test. Quitter. Donc on va voir. 22h30, c'est une bonne heure. Hein. En ligne. Ok, mode de partie éclair. Choix de région, on va prendre basique. Voulez-vous rejoindre? D'accord, c'est immédiat. Immédiat. Contre Johnny Boy. Niveau 16, ok. Oui, je veux quitter.
Non, c'était pour voir. Donc, a priori, il y a quand même du monde sur les serveurs. Donc, c'est à voir. Passer peut-être un peu plus de temps dessus. Peut-être que finalement, je me demande si je jouerais pas plutôt au clavier à ce type de jeu. Parce que à la manette, il m'a l'air un peu rigide quand même. C'est assez surprenant. Je pensais que c'était un peu plus souple. Et il est un peu lourd. Peut-être un peu plus de vitesse, j'aurais apprécié. C'est à voir. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Prochain stream sur Twitch, ben, ça sera le vendredi. Et prochaine vidéo sur la chaîne, ça sera peut-être. Ben non, en fait, j'en ai aucune idée. Je vous laisserai découvrir ça quand elle sera en ligne. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye.